ce nouvel espace de reliance à soi et à la nature. Aujourd'hui, je vous accompagne à une pratique d'éveil du corps par le toucher. Je vous invite à vous installer assis au sol ou sur une chaise. Si vous êtes au sol, prenez un coussin de sorte à surélever votre bassin et pouvoir être confortablement installé au niveau de l'espace lombaire, dans votre verticalité. Voilà. Et pour commencer, un temps d'ancrage, de centrage par la respiration en conscience. Vous pouvez déposer vos mains en coupe sur les genoux, vers la terre ou vers le ciel, et commencer à fermer les yeux et prendre quelques grandes respirations en laissant votre ventre se détendre pour accueillir l'air. Sentez à l'inspire votre ventre qui se gonfle légèrement ainsi que votre poitrine, et à l'expire votre ventre qui se vide et votre assise bien ancrée à la terre. Le visage détendu, les épaules relaxées. Prenez encore quelques grandes respirations. Et commencez à percevoir, à ressentir les différents espaces de votre corps. Allongez votre colonne vertébrale. Ouvrez l'espace du cœur et votre espace d'écoute intuitive de votre corps et de toutes vos cellules. Détendez bien aussi vos cuisses, vos jambes jusqu'aux orteils. Et nous allons commencer par préparer les mains simplement en faisant quelques frictions. Puis entrecroiser les doigts et faire quelques rotations au niveau des poignets pour échauffer les articulations, mais aussi pour stimuler la circulation des fluides, du flux d'énergie. Voilà, petite préparation. Vous pouvez étirer sans forcer. Voilà, vous pouvez aussi faire quelques mouvements ici de pression. Le long de chaque doigt, dans la paume. Voilà, simplement éveiller la main et préparez-la, préparez chaque main. Des mains qui vont donner à tout le corps. Voilà, une fois que vous sentez que vos mains sont prêtes, vous pouvez aussi bien sûr les huiler si vous voulez amener plus d'enveloppement, de douceur et puis des senteurs de votre choix, bien sûr. Nous allons commencer par le crâne. Je vous invite simplement à poser vos mains sur votre crâne, les épaules détendues, et à prendre une respiration en conscience sous vos mains dans cet espace. Puis commencez à bouger vos mains de chaque côté, en avant, en arrière, et en suivant justement votre guidance, simplement avec l'intention d'éveiller ici tout le cuir chevelu avec la main pleine pour commencer. Et puis au fur et à mesure, si vous souhaitez, vous pourrez rentrer un petit peu plus en profondeur dans les tissus en activant le bout des doigts. Et en continuant à respirer profondément, le ventre détendu, et en ressentant la zone. Je vous invite à favoriser
C'est pratique, les yeux fermés, de sorte à vraiment pouvoir être en reliance avec vos sensations. Voilà, faites bien tout le crâne, derrière, les oreilles. Écoutez-vous, hein. Je vous transmets une guidance. Ensuite, vraiment, soyez à votre écoute. Si, il y a d'autres zones du corps qui vous appellent, allez-y. Allez-y pleinement. Hein. Voilà. Donc les oreilles, hein. Petits mouvements comme ça. Des petites pressions aussi. Le visage. Mains pleines. Autour des yeux. Du nez, la bouche. Petit mouvement de pression. Du bout des doigts. La mâchoire. Vous pouvez insister un peu sur la mâchoire. Souvent, des tensions dans cet espace. Le cou. Voilà. Délicatement, c'est un espace très fragile, le cou. Le cou, la nuque. Voilà. Et puis au fur et à mesure, voilà, descendre sur l'épaule. Vous pouvez ici attraper le bras pour aller amener derrière au niveau de l'espace des trapèzes. Vous allez sentir avec le bout des doigts les espaces qui ont peut-être besoin d'être stimulés un peu plus. Et dans ce cas, je vous invite à utiliser le bout des doigts et lentement, avec une respiration profonde, faites des petits cercles sur ces espaces qui peut-être sont un peu douloureux ou alors simplement une acupression. Vous restez appuyé sur le point. Vous respirez profondément. Et à l'expire, vous vous relaxez un peu plus. Vous faites vraiment tout le tour derrière. Hop. Puis vous revenez sur l'épaule, vous malaxez, vous pétrissez le bras autour des articulations. Vous pouvez faire ce petit mouvement aussi de bracelet pour réchauffer l'articulation. Puis descendre avec des petits mouvements de pression, de friction. Voilà, laissez-vous vraiment être créatif. Laissez-vous ouvrir le champ des possibles quant à votre toucher bienveillant, réveillant et stimulant tout votre corps avec beaucoup d'amour et de douceur. Voilà, et puis de l'autre côté, voilà, je vais chercher avec la main vraiment presque entre les omoplates en fait, au-dessus et puis entre les omoplates. Faire des petits mouvements comme ceci et puis aussi de manière plus précise comme je vous le disais, si vous repérez des espaces un peu douloureux, vous appuyez dessus légèrement et puis vous prenez une grande respiration. Vous revenez vers l'avant tranquillement pour aller chercher l'épaule. L'avant-bras, le poignet, hop, et la main. Si vous sentez que vous avez cette sensation en fait d'énergie qui circule ou que vous sentez que vos bras ou vos mains sont chargés, hop, vous faites un petit balayage, petit nettoyage, hop, puis vous secouez. Hop, espace de lumière pour alchimiser ce qu'on libère. Voilà. Ok. Puis on revient à la poitrine. Donc là, vous pouvez faire des petits mouvements de marche avec les doigts sur la poitrine, sur toute la zone pectorale. Enveloppez bien la poitrine.
Descendez. Pareil ici, des petits mouvements. Laissez-vous vraiment guider. L'idée, c'est vraiment de stimuler toutes les zones du corps. Donc là, je vais derrière aussi, avec les pouces. Je pars de la colonne vertébrale et j'ouvre. Hop. Après, ça dépend aussi de la souplesse, des articulations de chacun, chacune. Donc, soyez simplement à votre écoute. Voilà, allez toucher les zones. Ça peut être aussi à pleine main avec des petits mouvements de rotation. Sur l'espace lombaire, sur le haut des fessiers. Voilà, insistez bien autour des hanches et sur l'espace lombaire. Vous pouvez aussi réaliser allongé sur le côté, de préférence au sol, mais après vous pouvez le faire aussi sur matelas. Voilà. De chaque côté. Okay. On ramène. On va faire un petit temps au niveau du plexus solaire, au niveau de l'estomac, zone digestive aussi. Vous pouvez le travailler aussi après manger. Vous attendez quelques minutes simplement voilà, que les aliments descendent bien. Et ensuite, vous pouvez prendre un temps pour respirer sur la zone de l'abdomen, du plexus solaire. Et des tout petits mouvements de rotation avec la paume. Pour accompagner la digestion, que ce soit la digestion alimentaire, la digestion émotionnelle. Voilà, et de même... tout autour du nombril, au niveau de la zone intestinale, donc allez bien jusqu'au pubis. Voilà, des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre de préférence. Voilà. Vraiment enveloppez bien toute la zone. Si vous voulez aller plus loin, ça sera avec le bout des doigts. Je referai une vidéo spéciale pour le ventre. Pratique à l'huile, voilà, que vous pourrez retrouver sur mon site bientôt. Ici, ensuite, eh bien, on va aller chercher au niveau des jambes. Donc, pareil, petit mouvement à main pleine de stimulation, d'enveloppement, de rotation. Les genoux, une main en dessous, une main par-dessus. Continuez à respirer profondément dans chaque espace du corps que vous stimulez. Et si vous avez des espaces que vous connaissez qui sont plus fragiles que d'autres, douloureux, je vous invite à prendre du temps dans ces espaces. Alors, pas forcément en appuyant, justement, surtout s'ils sont douloureux, mais prendre du temps en conscience par la respiration et puis la position des mains. Ça aussi, vous pouvez retrouver des vidéos sur mon site Bien-être en action, dans les vidéos d'automassage et de magnétisation. Voilà. Ensuite, eh bien, vous pouvez descendre au niveau du mollet. Donc, ici... je prends la même pratique. Après, vous pouvez vraiment... utilisez les pinces. Vous pouvez aussi sur les jambes utiliser les tapotements. Et remonter. Voilà. Et les pieds. Donc ici je le pose sur moi, mais vous pouvez bien sûr simplement vous pencher. Pour que vous puissiez le voir ici, vous propose un mouvement d'enveloppement avec les mains. Voilà. Simplement quelques lissages à main pleine. On enveloppe, on frictionne. Là aussi, vous pouvez retrouver des vidéos plus détaillées d'automassage des pieds. C'est excellent avant de se coucher. Voilà, faire des petites. Petit mouvement ici, main pleine, acupression avec le bout des doigts, chaque orteil, assez bien par chaque orteil. Voilà. Ça
jusqu'au cœur. Prenez un temps, une respiration dans l'espace du cœur. Puis redescendez au niveau ici de l'autre hanche pour reprendre ensuite friction, massage. Donc vraiment passez bien hein, par le pubis, par les fessiers. Des rotations sur toute la cuisse. Et par cette pratique, vous allez vraiment pouvoir éveiller tout votre corps. Physiquement, votre respiration dans chacun de ces espaces et puis aussi justement du coup éveiller vos perceptions dans chacun de ces espaces. Après la pratique, vous allez pouvoir mieux ressentir l'ensemble de votre corps et peut-être des espaces spécifiques qui ont besoin d'aller de vous rencontrer plus précisément, plus spécifiquement, plus en profondeur. Voilà, et ensuite, eh bien, hop, le mollet, une fois que vous avez bien fait le genou, continuez à respirer profondément. Cheville. Laissez-vous chanter, laissez-vous bercer par votre respiration et par les sonorisations qui se présentent. Hein. C'est excellent aussi, c'est le massage vibratoire, le massage sonore. Prochaine vidéo, on pratiquera cet art, ce bel art de la sonorisation, massage sonore. Ici, le pied à envelopper avec amour. Venez vous mettre dans vos pieds. Respirez dans vos pieds, sentir vraiment leur ancrage à la terre, sentir votre présence dans vos pieds, la gratitude pour cet espace qui vous porte chaque jour, qui vous relie à la terre, qui nous relie à la terre. Bien entre les orteils, frictionnez chaque orteil, petit mouvement de pression, voilà. Puis remontez en lissant, voilà, remontez bien. Et venez vous poser sur l'espace du cœur. Prenez ce temps pour observer, vraiment pour ressentir chaque espace de votre corps. Ressentir la douceur de l'air qui entre et qui ressort. Et la détente dans chacun de ces espaces. Et si certains espaces vous font coucou par un quelconque signal, une tension, les fourmillements, je vous invite à vous y connecter
Et aussi, vous pouvez utiliser la question au corps, la communication à l'intelligence du corps, simplement en prenant un temps de reliance et demander quel espace de mon corps peut encore recevoir maintenant. Et vous laissez. Vous laissez venir ce qui apparaît, ce sera peut-être différent des signaux. Des fois, on a une tension dans le dos et puis la réponse est le cœur. Donc, allez à la rencontre de la réponse qui est amenée, qui se présente à vous, et allez aussi à la rencontre des messages physiques, physiologiques, vibratoires de votre corps. Et voilà, je vous invite donc à prolonger la pratique de manière être plus précise, plus ciblée, avec confiance en votre intuition et en vos dons dans ce toucher bienveillant, cet art du toucher guérisseur. Prenez soin de vous, je vous retrouve tout bientôt pour un nouvel accompagnement de reliance à soi et à la nature. Vous trouvez toutes mes vidéos sur mon site Bien-être en Action. Et puis ces nouveaux espaces de formation, de soins à distance, pour continuer à vous accompagner dans le déploiement de votre être. De tout cœur, avec joie et douceur.